De retour sur le vélo. Aujourd'hui, je vais faire la fameuse Sella Ronda. Donc une boucle d'un peu plus de 50 bornes qui passe par 4 cols. Donc là, on commence direct par le port d'œil. Donc vu que j'ai perdu mon bidon, j'ai pris un sac avec une poche d'eau. Ça va, il est assez léger. Le principal problème, c'est que ça va me faire encore plus chaud au dos, donc bonjour la transpiration. Mais à part ça, ça devrait aller. Je suis actuellement en train de quitter Rabat, mon point de départ de cette Sella Ronda. Donc ouais, pas d'échauffement, hein. C'est direct le port d'œil avec des pourcentages. E la mosca di uno che hai schiacciato perdonerà sull'acqua del ruscello, forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra, ma lei non ti... C'est magnifique, on voit tous les versets juste au-dessus. Ah, je crois que les deux cyclistes qu'on aperçoit, ce sont les deux qui m'ont doublé il y a quelques kilomètres. Qui ont maintenant pas mal d'avance, mais très beau, il est assez comme ça. Ça me fait marrer, il y a un truc qui m'est venu, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Je pourrais tellement être dans une vidéo brute ou combini ou un truc du genre, en mode comme lui, découvrir le slow climbing, une tendance qui fait fureur chez les jeunes cyclistes et qui consiste à grimper des cols à une allure très modérée. Me voilà au sommet du port d'œil. On peut voir une petite stèle avec tous ceux qui l'ont franchi en tête. Maintenant, je vais partir à la recherche du panneau du sommet pour la photo souvenir. On est vu un peu en contrebas, mais moi j'en veux un qui soit vraiment au sommet. C'est bon, j'ai le panneau avec le vélo. Donc 2239 mètres, si j'arrive bien à lire à travers les autocollants. Encore les 2000 de passé. Donc le pied c'est plus court, j'ai normalement environ 4 km et demi,
Par contre, c'est des plus gros pourcentages. On est à du... ouais, 8-9%. Il y a un kilomètre qui a plus de 10, qui a environ 10,1, qui a environ à 10 quoi. Donc bon, c'est court, mais faut pas s'enflammer. Bon, les pourcentages, c'est pas les mêmes qu'au Port-d'Oeil, hein. C'est beaucoup plus raide. Heureusement que c'est beaucoup plus court. En face là-bas, ça serait pas le Port-d'Oeil, mais aucune certitude. Et là, on va redescendre de l'autre côté. Des gravillons à certains endroits, plus des travaux. Ouais, bon, ça l'a fait. Je viens de descendre du Passo Cella tout là-haut. La direction le Passo Gardena pour le troisième col de cette Cella Ronda. Niveau distance, on est à la moitié. Niveau dénivelé, je suis à 1000 sur 1600. Donc j'ai fait plus d'heures. Ah, t'as déjà acheté mal. Yes. C'est parfait. Ah, nous savons comment. Et moi, j'ai un petit comme ça. Ok. Hein? Tu peux mettre ici. Mettre ici comme ça. Pour te mettre tout comme
que, oui. que vivre. Je comprends. De la journée de Campo Lungo, environ 6 km à 6%, rien d'insurmontable. Donc il reste 3 km, 3 derniers kilomètres de grimper de la journée, et après il restera plus que la descente, le meilleur. Yes! Le dernier de la journée. Plus que la descente. Et c'est bon. Allez hop, c'est parti. Dernière descente. Et voilà qui conclut cette Sella Ronda. Très très belle sortie à faire au moins une fois dans sa vie. C'était vraiment super, surtout avec ce super beau temps. Nouvelle journée. Je vais devoir donner tout d'abord quelques explications. Je me suis dit, bah allons au lac qui est juste à côté, il a l'air assez sympa, ce sera une petite sortie sympathique. Donc je suis actuellement arrivé au lac, je suis dans ma voiture et j'attends que la verse s'arrête, en espérant qu'elle s'arrête vraiment. Et quand je vois les nuages, je suis pas sûr que ça arrive. Est-ce qu'on voit les nuages? Regardez-moi ces nuages noirs. J'ai profité d'une accalmie pour sortir. Donc c'est très bizarre. Là il pleut un petit peu, mais il y a du soleil en même temps. Sensation étrange. Peut-être bientôt un arc-en-ciel. Ah, j'ai fait la première partie du chemin, donc me voilà juste à côté du lac. On nous souhaite la bienvenue. Bon, il n'y a pas de drapeau français,
mais c'est pas grave. J'ai compris le message. C'est rigolo les petites cahutes sur le bord du lac, on se croirait sur une plage tropicale. Quand je disais que c'était une plage tropicale, j'avais presque atteint l'extrémité sud du lac et j'ai vu une petite route sur la gauche avec un panneau cascata qui veut dire cascade. Je me suis tapé une petite déterre et je suis parti pour y aller. Je sais pas où va le chemin tout droit, mais bon, on me dit à gauche. C'est la flèche, hein. Normalement, elle est correcte. Je viens d'arriver en face de la cascade. C'est grandiose. Vu qu'il y a un peu de montée pour être au pied. Arrivé en haut. Je viens de redescendre de la cascade et j'ai fait un petit détour par un point de vue panoramique que j'avais repéré lors de la montée. Et ça donne ça. On est quand même plutôt pas mal. On voit le lac avec la montagne derrière, toute la vallée. Même un petit banc pour se poser. Je viens d'avoir mon idée de défi du jour. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. En gros, c'est aller à la cascade et faire trompette. Allez, on y est. Je suis remonté exprès pour ça. C'est plus le moment de réfléchir. On le fait. Ah, le temps il fait de plus en plus froid. Ah. Oh, 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 oh. Somebody else the day when you know we got lost on the way. Come say what's a runner, a train come and say, hey, hey, how do we not fail? How do we not fail? How do we beaucoup trop froide. Wow. Mais bon, apparemment c'est bon pour la circulation. Je l'ai fait. C'était agréable. Ah, la belle cascade. Je suis en train de faire un ravillage express parce qu'il commence à bien pleuvoir. Oh là là. Bon, j'ai kawé. Et il va falloir se trouver un abri, il faut descendre vite. Allez, c'est parti. La pluie semble s'être arrêtée, mais il y a un gros vent. C'était mieux que le soleil, hein. Mais j'ai fait mon défi. J'ai même réussi à faire une belle photo. Je suis super content. C'est ça, ouais. Waouh.
le chemin que je devais prendre pour terminer est complètement obstrué par les travaux. Donc, je dois prendre la route qui, comme ça le se voit, monte. La rigolade. Je vois le pont. Est-ce que je peux y accéder? J'espère que oui. Et je vois ma voiture aussi qui est sur ce parking là. Donc c'est bon. Enfin, si le pont est accessible, bien sûr. Hello darkness, my old friend. Bon, en fait, c'est fermé ici aussi. J'ai un peu le démon car c'est depuis aujourd'hui. Là, je crois que je vais faire le tour. Il y a un écriteau là sur la gauche. Est-ce que ça mène quelque part? Ça a l'air d'être le cas. Faut encore monter, ouais, un petit peu. C'est bon. Oh. Allez. Enfin, un pont que je peux traverser. Me voilà arrivé. On se quitte avec une vue sous le soleil. Parfait.